Eh bien, question numéro 9, saison culturelle, subvention 2017 à Jazambay, Madame Bouillet. Donc, demande de subvention de Jazambay. Donc, par la communauté de novembre 2016, le directeur du festival Jazambay a formulé une demande de subvention de 15 000 euros. Et par la note du même jour, attire l'attention du président de la communauté commune à Rancon-Saint-Michel sur les difficultés financières de l'association dues à un manque de trésorerie et de disponibilité financière. Donc, Jazambay, la demande est de 8 000 euros au titre du budget artistique et 7 000 au titre du soutien au budget tourisme. Il précise qu'il s'agit de développer et de consolider l'existant. Donc, la commission culture et équipement réunie le 13 décembre a émis un avis favorable, mais je vous donnerai quelques réserves, quelques informations que je vous ai données tout à l'heure. Donc, il vous est proposé d'accepter, dès le mois de janvier 2017, une subvention de 15 000 euros au titre de l'année 2017. Donc, c'est une anticipation, comme nous l'avions fait l'an dernier, et d'autoriser l'inscription et crédit nécessaire au budget primitif 2007. Alors, lors de la commission, il a été émis quelques observations. Notamment par rapport à la programmation qui était tout à fait positive et convaincante sur Genève, Reims, le Val-Saint-Père, mais qui a interrogé un petit peu plus sur l'année 2016 sur Avranches, où la programmation était plus à destination d'une certaine catégorie de la population, je dirais des jeunes, et sur des spectacles gratuits, comme c'est le cas sur Avranches, on est plus sur un public familial. Et donc, je pense que, j'en ai déjà parlé avec le directeur, mais effectivement, je pense qu'il est important de rappeler qu'il faut que ce soit des spectacles tout public, hein, où chacun puisse s'y retrouver. Comme c'est fait sur Genève d'ailleurs, hein, ça correspond bien. Et je pense que sur Avranches, dans la mesure où c'est gratuit, il faut ce même style de spectacle. Et il a été aussi demandé à ce qu'il y ait un peu plus de travail au niveau pédagogique et collaboration avec notamment l'école de musique et les enseignements artistiques de notre communauté. Donc voilà, c'était des observations que je voulais faire remonter puisqu'elles ont été faites en commission. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune, donc c'est un 1, 2, 3, attendez, laissez-moi lever, s'il vous plaît. Il y a des pouvoirs, en plus, je dis. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 7. 8. Ah non, ça fait 8, il y a moins un pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a un pouvoir, ça fait 8. Alors, 7 abstentions. Question numéro 10, pôle de santé libérale et ambulatoire, site de Sartiki, validation du projet et plan de financement, monsieur Pinot.